The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The President, let me now to continue our proceedings. Nous allons poursuivre. The floor is now for Judge Yasakon to continue his questioning. Monsieur le juge Yasakon, je vous en prie, poursuivez. Judge Yasakon, thank you, Mr. President. Juge Yasakon, je vous remercie, Monsieur le Président. Can you Monsieur l'accusé, state further at the location A, pouvez-vous B, nous donner plus d'informations concernant C les emplacements A, B, J, C et G? Y a-t-il d'autres lieux où se déroulaient les interrogatoires, ou est-ce que ce sont des lieux où vous avez rencontré, où vous rencontriez vos supérieurs? Monsieur le juge Yasakon, est-ce que le projecteur est prêt? Could you confirm again the location question, of A, est-ce que vous pouvez confirmer l'emplacement de A, B, C, G? Est-ce que c'est là où se déroulaient les interrogatoires, ou est-ce que c'était des emplacements où vous alliez retrouver vos supérieurs? And when you became the chairman et lorsque vous êtes of devenu S21 directeur office, d'S21, what was the location of that quel était S21 le lieu à ce moment-là où se trouvait S21? L'accusé, monsieur le juge. A is the location A correspond where the assignment and for the establishment of the S21 was S21 conveyed. A été où nous sommes réunis pour créer S21. So I worked with Professor Son Sen and Nat avec Son Sen for only one time at that A location. Donc nous sommes retrouvés à une occasion dans ce lieu. And for the B location, pour ce qui est de B, it was the location where I worked with Professor Son Sen as he ordered. Avec Son Sen, selon ses ordres. It was probably from October 75 till the 15th of August 1977. So I worked with my superior at the time, but the superior was Son Sen at the time. Et mon supérieur de l'époque, c'était Son Sen. And for the C location, pour ce qui est de C, it was where I met Uncle Noon. Où j'ai rencontré Uncle Noon, l'oncle Noon, Noon Chea. That was the location where I worked with him for about three times. C'est là où j'ai travaillé avec lui à trois reprises, à peu près. And for the G location. Et pour ce qui est de G. It was where I worked with Uncle Noon. J'ai travaillé frequently. Avec Oncle Noon. Noon Chea, où je travaillais fréquemment avec Noon Chea, probablement jusqu'au 3 janvier
So at the G location and at the C location, there were the locations where I worked with my superior, où je travaillais avec mon supérieur, Nunchia. When you are assigned as the chairman of S21 office, what was the location of that S21 office? Quel était l'emplacement du bureau de S21 à l'époque? L'accusé. The location of the S21 office was as I marked on the map. Eh bien, c'est là où je l'ai indiqué sur le plan, à savoir rue 310, 360, sud et 360. But it also recouvrait également une autre rangée d'appartements. Donc, so we can say that S21 was between 310 and 360, et le boulevard Monivong, donc, and the street 143, ainsi que la rue 163. My apology, it's 163. Il s'agit de 163, la rue 163. So the south is 160, donc au sud, the east 360, is the à l'est, boulevard Monivong. And the west is 163. Et l'ouest, donc 363, the je m'excuse. East is l'est se trouve le boulevard Monivong. Et au 160, sud, 160, et au nord, 310. La rue 310. Question. When question. Was the S21 office located to the Bonilat colleague, and whose idea, and for what reasons, and at what level of authorization was the location been ordered? Moment on a ordonné le déplacement de S21. L'accusé. Initially, au départ. Although I was the chairman of the office, du bureau, the interrogation was still in at the corner of les street interrogatoires se déroulaient toujours au coin de la rue 360 163. Et 163. Because of car I saw the difficulty in the detention and in the interrogation, I made a decision to request to my superior some sense to use the Bonilat colleague as both the, for the detention and for the interrogation donc at the time. Bonilat à la fois pour garder les prisonniers en détention et pour mener les interrogatoires. He approved. Il a donné l'aval à ma demande. Therefore, I relocated the office from the corner of 360 and 163. Fait en sorte que le bureau soit déplacé. Donc entre les rues 360 et 163, donc à partir de l'ensemble de bâtiments à Bonilat. It was about in March or c'était environ April en mars 1976. Ou en avril 1976. So that means after I became the chairman. Donc après, une fois que après être devenu, après avoir été nommé au poste de directeur de S21. So it was initially my idea. Donc au départ, c'était mon idée.
But it was approved by my superior, Professor Son Sen. Eh bien, c'est Son Sen, mon supérieur, qui y a fait droit. And the purpose was to facilitate l'objectif the detention était de faciliter and the la détention et les interrogatoires. Question. Can you estimate the size of that location? De la dimension de and how many buildings cet ensemble de bâtiments et du nombre location? De bâtiments qui se trouvaient, qui faisaient partie de ce périmètre. Réponse. Journalist. Monsieur le juge, if we talk about the size of the location, quant I could à la not dimension du centre, eh bien, je ne peux vous donner d'estimation. However, I can say that je peux vous dire the detention and the interrogation units used de those the four all the four buildings de, of that Ponyard colleague. Pour mener les interrogatoires, utiliser les quatre bâtiments de Ponyard. Les anciens office, bâtiments administratifs. The old administrative college, office of that Ponyard college. De cette was used école de Ponyard ont été utilisés. Était utilisé comme bâtiment de travail. Separately, sala prathama saksha tool slang jeung khom prachrom khiang primary school was used as a workshop. D'autre part, l'école de tool slang était utilisée comme atelier. Ai jamnai puok kong pisai as and for the special prisoners, they were interrogated to the south. Spéciaux, eh bien, leur interrogatoire était mené au sud, dans la partie sud, se reprend l'interprète. To the south of the location of the Ponyard College. De l'emplacement, donc la partie sud du collège de Ponyard. So the special prisoners were interrogated there. Donc c'est là où ont été interrogés Vietnamiens spéciaux, mais pour ce qui est des Vietnamiens, ils étaient interrogés. Leur interrogatoire se déroulait à l'est de l'école de Ponyard. That is my response to you, voilà Your Honor. Ma réponse, Monsieur le juge. Question. Were there five buildings at the location? Y avait-il cinq bâtiments? Building A, à savoir B, C, D, and B, E. C, D et response. E. That's correct. There were five buildings. C'est exact. Il y avait cinq bâtiments. What was building A? Were aimed for, quelle était and, what were the l'utilité rest du bâtiment A et les autres bâtiments for, étaient prévus pour quel but? Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait changer de plan? Parce que les bâtiments de S21, c'est l'autre plan. The S21 buildings are the other map. Là, on reste sur la carte, mais il y avait l'autre plan qui a été présenté tout there à l'heure. The other plan, the voilà. Sketch that was presented before. Madame le juge. And we are dealing with the other map right now. Somme corrompt l'opinion. The national prosecutor interrupts, Your Honor. Le procureur cambodgien
May you allow one of the map or the sketches to be protected so that de ces croquis puissent être projetés de manière à ce que l'on puisse voir le collège Poignard. Le président, celui-ci, est-ce que je peux vous inviter à présenter cette carte avant de procéder à l'interrogatoire relatif à l'emplacement de S21. It might be of some assistance if the accused can clarify which is Poignard Yacht High School and which was the Tall Slang Primary School, because otherwise there will be some confusion. Poignard Yacht, le lycée de Poignard Yacht, et l'école de Tall Slang. Sinon, cela va introduire un élément de confusion. Et avant ça, ça serait bien qu'on donne le numéro ERN du document que l'on va présenter. I think the ERN number of the document to be shown should be provided. I'm sorry, Your Honor. I didn't know I was being waited on. Perhaps it can be put up on the screen. I don't have the ERN right in front of me of the document that my colleague has put up. Je ne dispose pas du numéro d'ERN de ce plan. If the audiovisual unit could switch to the computer with my associate, Mr. Ford, here, we can get the document up on the screen for all. Si vous pouvez s'arranger pour que ce numéro de RN apparaisse à l'écran, ce serait bien. I'm sorry, Your Honor. This is part of an audiovisual presentation that has been entered into the case file conducted by a Zoran Lesic. And this is just one of the documents that appears as part of that audiovisual presentation. We had intended at a later stage to put this to the trial chamber, but as my colleague has raised it now, perhaps we can identify it. Peut-être que cela permet de d'identifier, cela permet à l'accusé de d'identifier précisément ce dont il est question. Permettez-moi juste un instant. The national co-prosecutor, I would like le to confirm cambodgien that in order. We would like the accused nous souhaiterions que l'accusé clarify the position. If I'm not mistaken, précise ce qu'il en est. Si behind je ne m'égare, bien derrière le bâtiment C se trouvait l'ancien collège de Poignard Yacht. Est-ce que l'accusé pourrait The location préciser here, l'emplacement de Tall Slang Prey, du collège de Tall Slang Prey, qui se trouvait ici à l'emplacement de l'Inter, parce que là maintenant nous avons sur ce plan des villas qui ont été construites.
Monsieur le Président, and questions asked by Judge Yasakon concerning the location of S21, including the core location and the surrounding buildings in their premises of S21. That's why we would like the accused to show and identify the buildings surrounding qu'il identifie les différents bâtiments dans ce périmètre. Je ne sais pas si j'ai été bien compris. Réponse de l'accusé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce plan, ce n'est pas le croquis que j'ai préparé pour le bureau des co-juges d'instruction, je peux dire que selon les remarques exprimées par le co-procureur, je peux préciser les éléments suivants. At that time, à l'époque, le collège de Ponyayat comprenait les bâtiments A, B, C, D et E. Se trouvait côté adjacent à l'école primaire de Tulsvai Prey. La clôture de l'école était adjacente donc à ces bâtiments que vous voyez à l'ouest. Now that location has turned to be the departments or the apartment building. So alors we should leave it était, cette école alone. Était remplacée par des bâtiments. Building C, D, les bâtiments and B, C, were D. The detention center. Eh bien, c'était les bâtiments où se trouvaient les centres de détention pour les prisonniers qui y étaient gardés en détention. Donc B, C, D. Building A, le bâtiment was A for était réservé aux interrogatoires. The special prison la prison spéciale se trouvait au sud du bâtiment A. But where the Vietnamese or Yun were interrogated was to the east. Yun ont été interrogés. Ce bâtiment se trouvait à l'est. So I think I have described donc je pense que j'ai présenté un descriptif de ce plan. My apology. Je vous présente I would mes like excuses. To confirm that j'aimerais confirmer e que le bâtiment E was for taking photographs. Était utilisé pour prendre des photos des détenus. For recording, pour procéder à leur enregistrement, pour préparer des listes de ces prisonniers, donc des documents. And later on, it was used ultérieurement, as the ce bâtiment a été utilisé comme atelier carving and painting. Pour les sculpteurs et les peintres. So my description regarding the map of S21. Voilà ma description relative à ce plan de S21. I'm sorry to interrupt again, Your Honor. I just want the record to show clearly where this document has come from and what it is, so that there's no doubt on the record. This is part of a presentation, as I indicated. Comme je l'ai which déjà is mentionné, on a DVD
from Zoran Lesic. The case file document number is D45/1/1. And it's dated the 5th of May 2008 with original ERN numbers 00189128 to 189130, which is the statement provided by Zoran Lesic, describing the DVD from which what you see on the screen is a still image. The co-prosecutors had intended at a slightly later stage to provide the court for its assistance with hard copies of certain images from this DVD, and we have them ready to distribute if it is of assistance to the trial chamber. These documents, as I say, are part of the case file, and the hard copy selection from the DVD was filed on the 21st of April under a Rule 92 submission. The co-prosecutors would seek the court's guidance as to how they wish us to proceed in introducing this document, which, as I said, had come rather earlier than we had anticipated in this morning's proceedings. Dans la mesure où ce document a maintenant été présenté avant que nous ayons l'intention de le faire par la suite. Could you please repeat your remarks again? Because through translation, maybe I have not really grasped the whole context. Could you please Thank you, Your Honor. The co-prosecutors filed a Rule 92 submission on the 21st of April. So 3 days ago, regarding notifying the documents, notifying the trial chamber of documents it wished to put before the chamber from the case file. Devant la chambre, il s'agit de documents qui étaient contenus dans le dossier. To the defense, et je to the civil parties, donner à la défense, and aux to the accused, civiles, a à l'accusé et à la chambre de première instance une copie submission. De ce document briefly, qui a été déposé. It describes en the bref, documents ce document contient that we say are une relevant description des documents to que this issue, the establishment of S21, à savoir, principally, it concerns la mise en place, a DVD de S21. Of il s'agit Zoran pour la plus Lesic, grande part d'un DVD who is an expert that was appointed by the co-investigating judges to provide an audiovisual presentation of the surroundings of S21, du site Chung de S21, Phnom Penh. Et de Phnom Penh, and the binder that the co-prosecutors
et le classeur have que put together for the assistance of all parties shows certain still photographs from that DVD. Contient and if des photographies the qui sont extraites feels it appropriate, de ce DVD. Et si la Chambre le souhaite, nous pouvons distribuer ces classeurs à ce stade et fournir des explications supplémentaires si la Chambre le souhaite. Le Président. La Chambre souhaite que vous distribuiez ces documents. Monsieur le Président, François Roux, Mr. President, je comprends qu'il y a une requête en cours de la part des procureurs pour savoir si ce document est accepté par la Chambre. Je ne voudrais pas qu'il circule avant que la Chambre n'ait pris sa décision. S'il s'agit seulement d'avoir des extraits de documents qui sont déjà dans le dossier, il suffit de s'y reporter. S'il s'agit d'un travail effectué par le bureau des coprocureurs pour eux-mêmes et qu'ils proposent de partager avec la Chambre, alors c'est un document nouveau. Ils vous ont déposé une requête. Il faut que la défense puisse répondre. Est-ce que les coprocureurs pourraient Judge nous indiquer Laverne, si ce document ne contient que des documents qui sont déjà au dossier ou s'il s'agit de documents commentés par leurs soins en vue d'une analyse? Est-ce que la Chambre aimerait savoir? That's what the chamber would like to know now. Thank you, Your Honor. They are not new documents. They are all documents contained within the case file. Il s'agit de documents qui figurent déjà au they are to be provided. The intention was to provide the court and the defence and all parties for their assistance. As we know, only one page can be displayed on the screen at any one time. This is a reference booklet for all parties to be able to have before them rather than calling them up individually one by one on the screen. We provide no analysis, no comment, de les and appeler they are à documents all in à the la case fois. File. Il n'y a pas de commentaire ou d'analyse de ces photographies dans le document. Il ne s'agit que de photographies. L'objection of qui a été soulevée par Maître Roux n'est pas recevable dans la mesure où Next. Nous avons déjà tranché sur cette question. Nous allons maintenant demander au juge Yasakhan de poursuivre avec les questions qu'il souhaite poser à l'accusé. Question. In the buildings B, C and D, dans les bâtiments, in which building were prisoner D, cells were où se trouvaient separated? Les cellules de détention des prisonniers et étaient-ils séparés? Accused, Your Honours. L'accusé. From the time Monsieur of the establishment, Mesdames, juges, and when I ordered them to build it, I never went inside the building. A été établi et une fois que cela a été construit, je ne suis jamais entré dans le bâtiment.
I would like to clearly state that j'aimerais vous informer since the individual cells were made, que dès lors que les cellules individuelles ont été construites, as I ordered them, tel que je l'avais ordonné, I did not enter that building. Je ne suis plus entré dans ce bâtiment. However, from the day that the co-investigating judges took me to see that location, les co-juges d'instruction m'ont amené sur le site. I think only building B and C where the individual cells were partitioned. B et C avaient des cellules individuelles. And for building A, which was to et the south, pour le was the A, interrogation qui était situé building. Au sud, c'était le bâtiment où se faisaient les interrogatoires. And for building D to the north, et pour le bâtiment D qui est situé au nord, it was the location for the detention of the prisoners. C'était l'endroit où les prisonniers so étaient to conclude, détenus. Pour conclure, from what I observed and recalled au vu de after ce que I was j'ai brought vu there to the location, et de ce dont je me rappelle après être allé sur les lieux, questioned. Question. Court officer, can you show the document j'aimerais with EIR number 0015228 on the screen? 8 à l'écran. Judge Yasukon, this organizational chart, Juge Yasukon, did you make this organizational chart? Est-ce que c'est the vous accused? Qui yes. avez fait, qui avez préparé ce document, cet organigramme? Réponse, oui. I made this organizational chart by myself. C'est moi qui ai rédigé cette ce was there ce any diagramme decision from anybody else as the judge? Seule question de juge. Est-ce que quelqu'un a une influence sur vos décisions? The accused. Nobody had any influence on me in the making personne of the organizational chart. Lorsque j'ai composé cet organigramme. It was based on my il a recollection été préparé sur of la base what de I did at the time. Souvenir, à savoir de ce que j'avais fait à l'époque. At the time I made that organizational chart. Au moment où j'ai dessiné cet organigramme. Questioned. Your deputy, question. What was his role at the time and what were his duties? Quel était le rôle de votre assistant et quelles étaient ses responsabilités? Response, Your Honor. Réponse. For Comrade Kumvak alias Ho, his pour, daily
the daily work. Alias, he managed or, all the daily activities at the S21. Au quotidien à S21. He was always occupied. Il était toujours occupé. That was the truth. C'est la vérité. Can you state question. Clearly est-ce que vous pouvez whether nous indiquer or which unit clairement or which section he supervised? Quelle était l'unité and ou la section qu'il supervisait? Did he receive order et from? De qui il recevait ses ordres? The accused. Let me specify it about the ordering. Laissez-moi préciser comment les ordres étaient donnés. It was a separate work, the work which was not part of the daily activities. Les that was the work that I ordered him to do. Quotidiennes, c'était le travail que je lui ordonnais, les choses que je lui ordonnais de faire. That is what I speak in order to refer voilà ce que, to his work since he started since the S21 was established. Une fois que S21 a été établi. S21 was established and there were certain works that he had to complete. Il avait certaines tâches as his obligation, as his compulsory obligation. Pas faire, bien qu'il ait l'obligation de le faire. Those include parmi ces tâches, inspecting the work il y avait of the guards, l'inspection du travail des gardes, inspecting the receiving of the prisoners who were sent through S21, surveiller l'arrivée des prisonniers qui étaient envoyés à S21, inspecting the people who were taken out to June 8. Inspecter les personnes qui étaient emmenées à Chung-Ek. When there was any mishap or any event, then lorsqu'il an order would be immediately ou issued. Un problème, un ordre était donné before immédiatement. He reported to me. Et avant, il passait par moi. So at the same time, there were also other tasks. Mais il avait aussi d'autres tâches. For instance, for the production, par exemple, for the production, for the raising supplies to supplies to the units. D'obtenir des fournitures pour les unités. The work on the healthcare. Il travaillait aussi en ce qui concerne les soins de santé. And the implementation of the orders and the disciplines for the entire unit. Et de la discipline au sein de toutes les unités. These are his daily activities. Voilà quelles étaient ses activités au quotidien. And as for those works that I said were the additional works for him. Et pour ce qui est des autres tâches dont j'ai déjà fait mention, including the exhumation of bones from the Dachau prison and buried, that was an additional task for him. Prison de Dachau, c'était une tâche supplémentaire qui lui avait été confiée. And the waiting to arrest somebody at my house, it was also a separate task for him. Une personne avait été arrêtée à mon domicile, c'était une tâche supplémentaire qui lui avait été confiée.
For example, another separate task. Un autre exemple que je peux vous donner de tâche qui lui a été confiée. The taking out of the important people to be photographed. Lorsque il fallait extraire him to do les personnes importantes well. pour que l'on prenne leurs photos, c'était un ordre supplémentaire que je lui avais donné. Once I receive an order from the upper echelon, I immediately call him to receive an order from me. De mes supérieurs, je le convoquais immédiatement pour pouvoir lui transmettre cet ordre. So, to conclude this, he had his pour daily conclure, activities il avait that he had to do it on a daily basis. Qu'il devait faire au quotidien. And there were separate tasks that he had to wait to receive with an order from me. Qu'il faisait, qu'il exécutait après avoir reçu mon ordre. Question. For Mr. Nguyen Huy, what pour was his Monsieur duty Nguyen as a member quelles étaient of ses the responsabilités S21 committee? En tant que membre du comité de S21? Response, Your Honor. Réponse. Nguyen Huy. Nguyen Huy. That's his original name, Nguyen Huy. Has an absolute task at the prison. L'interprète n'a pas compris. He had a complete task at prison. Il avait des tâches précises. The president après do ça. Not respond yet. There is a problem un with instant, the translation. Il semblerait qu'il y ait eu un problème avec la traduction. Court officer, could you Monsieur le greffier, solve the issue? Est-ce que vous pouvez résoudre cette question? Le président. The accused, please respond again. J'aimerais demander à l'accusé de reprendre la dernière partie of your response due to sa réponse the technical problem dans la mesure with the translation. Où il y a eu un problème technique avec l'interprétation. The accused. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comrade Huy. With le his original name, Nguyen Huy, he had his exclusive duty Nguyen at prison. Huy avait un certain nombre de responsabilités qui lui incombaient à Prisar. His first duty was to lead the entire force for the production. Était de s'occuper de toute la force, de s'occuper de la production. His second duty. Sa deuxième responsabilité était the elements who de had rééduquer issues. Ces personnes qui avaient des problèmes.
These are his daily activities. Et voilà the quelles étaient ses daily responsabilités of Camara au quotidien. Kui. Donc voilà donc quelles étaient les responsabilités de cette personne. Separately, when there was de plus, an event where those people had to be sent, those from S21 in Phnom Penh, devaient être envoyés de S21 à Phnom Penh. He had to seek an approval or il a decision. Il devait obtenir l'autorisation. Either from me or from Kamrad Ho. Donc il devait obtenir mon autorisation ou l'autorisation de Kamrad Ho. In general, he sought permission from Kamrad Ho. De façon générale, il demandait la permission au camarade Ho. However, in certain cases, it was required mais to parfois, seek the permission from me il fallait as ordered qu'il obtienne by the upper mon autorisation telle que cela avait été ordonné par nos supérieurs. So this is my response regarding the voilà duties of Kamrad Hoi. S'agissant des responsabilités du camarade Hoi. Question. For your role as the chairman, what were your duties? S'agissant de votre rôle en tant que directeur, quelles étaient vos responsabilités? Réponse. As a chairman, my main duty. Directeur, ma responsabilité principale and my details role which had a deep sense of a responsibility for the crimes, the reports on the confessions. Pour ce qui est des tâches qui font que j'ai la responsabilité des crimes, il y avait les aveux. The reports as per the confessions of those people who were tortured. Sur la base des aveux de ceux qui ont été torturés. I myself annotated those confessions moi-même, in order for the my superior to understand pour it easily. Que mes supérieurs puissent mieux les comprendre. So, for each confession that donc, I sent to the superior, que j'ai envoyé à mes supérieurs, had to be involved in the complications of other people. Il fallait que cela soit pris en compte pour ceux des autres personnes, dans le contexte des aveux des autres personnes. My second duty was the training s'agissant and education in order to, to make them to interrogate. Et éduquer ceux qui devaient s'occuper des interrogatoires. So that they dare to interrogate, they dare to torture, that they pour had experience to interrogate. Avoir une expérience lorsqu'il s'agissait d'organiser des interrogatoires pour qu'ils puissent savoir interroger et frapper. And all this was the result of the arrest of the new people because for these new people we had to have their confessions. Arrêtées. Il fallait que nous obtenions leurs aveux. That was my constant duty. Et c'était with my le superior. Devoir que je devais garder à l'esprit vis-à-vis de mon supérieur. If we ponder deeply, this was involved heavily si with the crimes cela, other than other duties. Si nous devons réfléchir à cela, quelle était l'implication avec les crimes et ses responsabilités. My combatants, I had to doctrinate them
Pour ce qui est de mes combattants, je devais les interroger. And this was not a good thing. Et ce n'était pas une bonne chose. This was the duty that I performed. Un devoir que j'avais à effectuer, un devoir que j'avais à suivre. So in short, that was my duty. Voilà quels étaient mes devoirs. Besides giving various orders. Bien sûr, au-delà des ordres, de certains ordres que je devais donner. Question. Who was in charge of the interrogating unit? Qui était en charge de l'unité des interrogatoires? Response. Réponse. Hoare was in charge. Hoare était celui qui était le responsable de cette unité. But to be precise, mais pour être plus précis, each group, there was a leader dans chaque groupe, assigned. Il y avait un chef qui était affecté à ce rôle. For me, I was in charge. En ce qui me concernait, j'étais responsable, par exemple, lorsque je voyais que j'ai... Que ce qu'ils faisaient ne me satisfaisait pas, et bien j'organisais une séance de formation. So the work of training. Donc le travail d'instruction, de formation, c'était, je dirais, en plus des tâches au quotidien. Question. In the unit interrogating dans unit, l'unité des interrogateurs, classified est-ce que ces interrogateurs people who interrogate only women detainees? Eh bien, est-ce qu'il y avait une classification, différentes catégories des interrogateurs qui ne response. S'occupaient que des femmes ou de certains types de Bon détenus? Brother, Mom, Nye, réponse, camarade Pon et frère Mom Nye. Duty, eh bien, c'était des personnes qui avaient des responsabilités distinctes. L'un était affecté à des interrogatoires de prisonniers jeunes. Comprend l'interprète. The two interrogators that les deux interrogateurs a group qui constituaient the brother un groupe, Mom Nye, et bien parmi eux, il y avait frère Mom Nye, tout d'abord. He interrogated il interrogeait the and he was my assistant les jeunes, et c'était time. Mon assistant. En même temps, il interrogeait les Vietnamiens. And he was also my assistant. Et c'était également mon assistant. As for comrade Bon, pour ce qui est de camarade he Bon, was exclusively assigned il to s'occupait exclusivement des prisonniers importants, including dont Brother Manson alias Yan, l'ancien secrétaire de la zone ouest. Je me permets de reprendre. Zone. Non, il s'agissait de la zone nord-est.
So it is just an example. Donc c'est juste un exemple. Clarify that comrade Pon only interrogated the most important prisoners. Procéder à des interrogatoires que sur les prisonniers les plus importants. Most high-ranking prisoners. Le plus haut rang. And then the other groups were classified into groupes, four main groups. Ils étaient classés en quatre groupes principaux. The cool group. Alors le groupe cool team. Froid, l'équipe froide. Hot team. L'équipe chaude. Chewing team. L'équipe de mastication. This chewing team. Et cette équipe was de mastication under the supervision of comrade était sous la direction de camarade Tep. As for other two groups, pour ce qui est des deux autres groupes, je ne peux pas me souvenir de ceux-ci. So there were three groups donc, of men. Il y avait trois groupes d'hommes. For the interrogating pour ce qui est de unit, l'unité where women were interrogators les interrogatoires were où just established. Les femmes interrogatrices étaient établies. The unit when the female lorsque prisoners were les interrogated femmes by détenues étaient interrogées par des interrogatrices femmes, eh bien cette unité a été établie suite à des incidents. Les incidents sont survenus parce que les interrogateurs hommes ont violé les femmes détenues ou ont procédé à des sévices de nature sexuelle sur des femmes détenues. L'interrogateur a stick into the vagina of that female un bâton detainee. Dans le à l'intérieur du vagin d'une femme détenue. After that incident, après I removed cet incident, j'ai démis de ses fonctions la personne concernée. And asked for the permission et to j'ai demandé create la permission de créer une équipe d'interrogatrices gathering the wives of all cadres en to take regroupant part. Les demandant aux femmes des interrogateurs de faire partie de ces de cette unité. There were five of them. Il y en avait cinq. At the outset of its establishment, there were five female interrogators stemming from il y avait cinq interrogatrices qui venaient donc qui étaient des femmes des cadres. The female chief who la led chef the group was de ce groupe comrade, était camarade Mott, the wife of comrade la femme Hor. De, du camarade Hor. But later on, there were two ultérieurement, female interrogators il who y were arrested. Deux femmes qui faisaient partie de ce groupe d'interrogatrices qui ont été arrêtées. First, tout d'abord, comrade Pun, the wife of comrade la femme Moon. Du camarade Meng, excuse me. Meng. L'interprète se reprend. Number two, comrade numéro 2, Kun, camarade Kun, the wife of comrade la femme Hoi. Du camarade Hoi. Hoi Preysar, Hoi Hoi Preysar, non Phnom Penh. Pas Hoi Phnom Penh. So there were only three female donc, il n'y avait interrogators que trois femmes interrogatrices qui restaient, qui demeuraient dans ce groupe.
That's all my response. Voilà ma réponse pour ce qui est des interrogateurs. The president. It is time to adjourn for lunch break. Faire une pause déjeuner. Donc, la chambre adjourn the souhaiterait for suspendre today at this les débats. Moment. And the hearing et is going to be l'audience reprendra on the Monday of lundi the 27th of 27 May. Sorry, 27 of April, avril, starting from 9 a.m. À partir de 9h du matin. Please be informed that the hearing this afternoon is cancelled due to the fact that the trial chamber is seized est annulée, étant donné le fait que la chambre est saisie applications for the last few demandes days en suspens and other et ce depuis ces derniers jours. Il s'agit également de dossiers administratifs concernant un certain nombre de décisions. Et nous avons besoin de débattre ces questions. Maître Roux, Monsieur le Président, avant que vous ne leviez l'audience, deux points, si vous me permettez. La défense a à nouveau constaté beaucoup d'erreurs ce matin dans les traductions. À plusieurs reprises, le traducteur français a été obligé d'indiquer, d'après ce que j'ai compris. Donc, nous sommes sur des sujets très graves. J'attire respectueusement l'attention de la Cour. Deuxième point, je souhaite, Monsieur le Président, revenir sur le problème de la diffusion qui a été faite du document des coprocureurs. Je comprends qu'il n'était pas prévu initialement de distribuer ce document tout de suite, puisqu'il y a une requête en cours. Je voudrais que l'on donne la possibilité à la défense de répondre à cette requête. J'ai compris que les coprocureurs ont d'abord déposé une requête demandant l'autorisation de produire ce document. Je souhaite que la défense puisse répondre à cette requête qui, jusqu'à présent, ne lui a pas encore été communiquée en français. Ce document pose un problème dans la mesure où c'est clairement la position des procureurs qui est produite au lieu que ce soit les éléments du dossier d'instruction lui-même. Par exemple, les juges d'instruction ont fait un album photographique de la reconstitution. Je souhaite que nous travaillions sur les documents des juges d'instruction et non pas sur des documents retravaillés à leur profit, à leur bénéfice par les procureurs. Mais de cela, en fait, je souhaite pouvoir m'expliquer dans la réponse que je souhaite faire au coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Might I be permitted to reply? Puis-je me permettre de répondre? This is not the co-prosecutors. Position. This is not an analysis. This is a document taken from the case file on the orders of the co-investigating judges. Perhaps it is wrongly titled a Rule 92 submission to which a response is required. That was a matter that was decided in our office recently. But all the co-prosecutors are seeking to do is to put documents before the trial chamber as they are entitled to do under Rule 87.2, as are the defense entitled to under the same rule, and as are any party. If the defense wish to place documents before the chamber, they need only do so and need only ask.
This is what this document was to be for, and it was for the benefit of all parties, and not simply the co-prosecutors. As I mentioned, there is no analysis in this document, and it does not represent anyone's point of view. Monsieur le Président, la seule chose que je demande, puisqu'il y a une requête des coprocureurs, qu'on laisse le temps à la défense d'y répondre. C'est tout. Le président, once again, the chamber, une fois encore, would like to inform la chambre souhaiterait to the informer l'avocat de la défense que nous notons bien, however, nous avons bien noté votre like observation. Cependant, nous souhaiterions that we have vous informer made the decision que nous avons déjà statué sur cette question et fight, vous êtes toujours en train de vous battre pour que la chambre fasse droit à vos arguments. To be decided on Monday on 27 of April before we resume our présenter lundi 27 avant que nous reprenions les débats. Est-ce que vous pouvez identifier les documents qui ont été transmis aux coprocureurs? Quels sont ces arguments qui font toujours l'objet d'une contestation contradictoires aux règles, aux droits, les traductions des documents que vous considérer que la Chambre, par rapport auquel la Chambre ne devrait pas considérer comme recevable. So next, because the time for the hearing has run out, le temps qui était once again pour the chamber decides that the hearing today is adjourned at this moment and that the hearing is resumed on Monday, 27 of April at 9 a.m. This afternoon there
will be no hearing because the chamber has other duties in which we have to sit down and discuss to decide on the other outstanding matters seized by the chamber during the last few days and to rule on other urgent matters regarding pending applications so that we can maintain the smooth operation of the hearing. Et lié à l'administration. Guard, could you please take the accused back to the detention facility and bien vouloir bring him emmener l'accusé in on Monday et at de 9 a.m. dans ce prétoire lundi. Parties to the proceedings are also informed to participate in the hearing on Monday. Sont également invités à revenir ici même pour 9 h lundi, le 27 avril. L'audience est levée.